Et je me retrouve dans une situation, encore une fois, où je ne sais pas si je suis en train de profiter d'une personne ou si j'ai peur de lâcher une personne parce que je sais, j'ai peur de lâcher une personne parce que je ne sais pas dans quelle situation je vais me retrouver après. En même temps, c'est pas honnête. Et je sais pas quoi faire. Ah ah. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et pour ma reprise, je suis allé dans un restaurant iranien. Ils font des choses bizarres. Et on va voir si c'est bon ou pas. Alors, des légumes, un tisane, des trucs, un truc, du riz blanc, du riz avec du safran, du riz avec du curry qui est caché. Là, je crois que c'est du porc, là, c'est du bœuf, là, c'est du poulet. Et avec le riz. On vient de sortir du resto. Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Kaishi, comme le boxeur. Quoi? Kaishi, comme le boxeur. Non. Qu'est-ce que t'es. Qu'est-ce que t'es. Comment il s'appelle, wesh? Du coup, wesh. KSI. KSI. Et je sais pas où est-ce qu'on est. Bref. Non, wesh, je t'écris. C'est où? Rue Roche. Au-dessus. Rue Rochechouart. Au-dessus. Ah oui! Au-dessus des rues, il y a écrit le numéro des arrondissements. Je viens d'apprendre un truc aujourd'hui. On est dans le 9e arrondissement, dans le restaurant iranien chelou là. Tous les trucs rouges sont bons, tous les trucs verts sont pas bons. C'est ce qu'il faut retenir. Et maintenant, on va aller au ciné. Sauf que mon estomac supporte mal ce que je viens de manger. Et j'ai voulu lâcher une caisse. Et c'était pas de l'air qui a voulu sortir. Si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'espère qu'il y a des toilettes au ciné. Parce que ça va être très 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 violent. Aïe! J'ai oublié de noter pour le coup le restaurant. Le seul atout majeur, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le fait que ce soit à volonté et que j'ai besoin d'une grande quantité de bouffe. Sinon, à part ça, c'était pas spécialement bon. C'était un 6 sur 10. C'était pas spécialement ouf. C'était ok, juste ok. Aller regarder Rogue One. Enfin, on va aller. C'est Rogue One ou c'est à couteau tiré? Je sais plus. Non, c'est à couteau tiré. Sauf que c'est à 16h30. Il est 15h30. Il n'y a bientôt plus de batterie. Parce que j'avais pas prévu faire de vidéo. Et du coup, je me retrouve assis dehors. Ah, attends. Que la séance commence. Putain. Putain, Thomas. Thomas, putain. Voilà. Ah voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et j'avais pas expliqué pourquoi est-ce que je n'avais pas fait de vidéo. Et du coup, en rentrant à la maison, je vais faire la fameuse conclusion de la maison. Je vais expliquer pourquoi j'avais pas fait de vidéo. Ça va être du. And this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise. The family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. How was it, by the way? The party? Pre my dad's death? Oh, it was great. On vient de finir de regarder À couteau tiré. Et lui, là, il s'est endormi pendant toute la première moitié du film. Et il ronflait et j'étais le seul à regarder la performance exceptionnelle de
Je sais pas comment l'acteur principal. Qu'est-ce que tu fais? La performance exceptionnelle du mec qui joue James Bond là. Faut que je retienne son nom. Et c'était intéressant. Les films d'enquête comme ça, c'est intéressant. Et je mets une note de 9 sur 10. Non, j'abuse. Ce film était bien. Quelle note tu mettrais au film? Je fais 7. Il a dormi, mais t'as dormi la moitié du film. En vrai, ouais, 9 sur 10, c'est peut-être un peu abusé. On va dire 7,5 sur 10, c'était vraiment bien. Bon, il me reste 5% de batterie, je vais arrêter là. Et il y avait une chose très importante dans ce film qui était intéressante, c'était le caractère honnête de l'actrice principale. Et ça me fait penser à un truc que je dois faire. Même si c'est difficile, il faut que je le fasse. Est-ce qu'il faut faire... Pourquoi tu rigoles? Bref, il se fout de ma gueule, je vais arrêter là. On se retrouve à la maison. Peace. Et de retour à la maison. Mais avant toute chose... Bonne année! Ouais, j'ai pas souhaité bonne année aux gens, aux abonnés. Et du coup, bonne année. Bon. J'avais dit qu'il fallait que je parle du fait que... Pourquoi j'avais arrêté mes vidéos. Est-ce que vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur Tinder? La vidéo que j'avais faite sur Tinder. À la fin de cette vidéo-là, si vous avez remarqué, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez probablement remarqué que j'avais désinstallé Tinder. Et c'était parce que à ce moment-là, j'avais rencontré une personne avec Tinder. Et du coup, je voyais plus l'utilité de continuer à utiliser Tinder vu que j'avais rencontré une personne. Sauf que je me retrouve dans une situation où je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Quand je regarde les données de la chaîne, je me rends compte que la vidéo qui a le plus de vues et qui m'a rapporté le plus d'abonnés, c'est la vidéo où j'ai abordé plein de personnes dans la rue. Et je me suis alors posé la question, est-ce que les gens se sont abonnés parce qu'ils voulaient voir réellement le progrès que je faisais, ou est-ce que les gens se sont abonnés dans l'espoir d'apprendre des choses de moi, alors que je suis moi-même en train d'essayer d'apprendre, ce qui est assez compliqué. Et vu encore une fois que j'ai rencontré quelqu'un avec Tinder, je ne savais pas en fait si je devais continuer à faire des vidéos comme ça, alors que techniquement je suis avec quelqu'un, je sais pas, voilà pourquoi je fais pas de vidéo. Le truc c'est que, initialement j'avais commencé à faire cette série de vidéos, parce que j'étais pas confiant, et je ne suis toujours pas confiant. C'est sûr qu'avec la rencontre que j'ai eue, j'ai appris énormément de choses. Mais la question que je me pose, c'est ce que je veux exactement en fait. J'ai l'impression que la vie, c'est une sorte de course où tu essaies d'attraper quelque chose. Et une fois que tu saisis la chose, en fait, tu as l'impression que tu as envie de chercher autre chose. Si on m'avait dit il y a 3 mois ou 2 mois que j'allais me retrouver dans une situation où je n'aurais pas besoin d'utiliser Tinder, où je n'aurais pas besoin d'aller accoster des filles, je ne l'aurais pas cru. Ça prouve qu'il y a eu du progrès. Sauf que je sais pas ce que je veux au final. C'est pas comme avec le sport. Ce qui est intéressant avec le sport et avec tout ce que je fais à la salle, 90 kilos aujourd'hui, et avec tout ce que je fais à la salle, c'est que l'objectif est tellement loin, mais il y a tellement de milestones, il y a tellement de checkpoints en fait, que le temps que j'arrive à atteindre l'objectif final, j'aurai tellement de checkpoints, de points de contrôle qui vont faire que j'aurai l'impression d'évoluer, de progresser. Alors que là, je sais pas exactement c'est quoi les checkpoints si je dois améliorer ma confiance. Ce qui fait que je suis complètement perdu, que je ne sais pas quoi faire. Et il faut exactement que je me pose et que je me parle honnêtement à moi-même et que je me demande ce que je veux. Et je pense que je sais ce que je veux. Mais quelque part, je me demande si ce que je veux, c'est la bonne chose. Et ça m'amène à me demander, c'est quoi la bonne chose? Et du coup, je me pose trop de questions, et voilà pourquoi je fais pas de vidéo, parce que je me pose trop de questions, et je sais pas quoi faire. Si vous vous demandez pourquoi je faisais pas de vidéo, voilà. J'ai même tenté de faire plein de vidéos plusieurs fois, avec... J'avais de la barbe à un moment, j'avais pas de barbe à un moment, bref. J'ai essayé de faire plusieurs vidéos, et j'arrivais jamais à trouver le bon moment. Et surtout, j'aimerais savoir exactement pourquoi est-ce que les gens regardent ces vidéos... Ah, de toute façon, comme j'ai dit, c'est un journal. Je vais continuer à les faire. C'est intéressant à les faire. J'ai commencé à monter cette vidéo d'ailleurs et ça me rappelle pourquoi j'aimais faire ça. En tout cas, pourquoi j'aime faire ça. Mais ouais, il faut que
je me pose exactement et que je réfléchisse exactement sur ce que je veux et sur ce que je veux faire. D'ailleurs, j'ai commencé à lire Principles de Ray Dalio. S'il y a bien une chose qui est importante, c'est qu'il faut que je définisse vraiment mes objectifs. Ce qui est bien, encore une fois, avec le sport, c'est que mon objectif est clair. Je veux faire ce concours, je veux arriver à participer à ce concours-là. Là, c'est clair, tu vois, j'ai une ligne droite. Par rapport au reste, je ne sais pas en fait. Et je me retrouve dans une situation, encore une fois, où je ne sais pas si je suis en train de profiter d'une personne ou si j'ai peur de lâcher une personne parce que je sais, j'ai peur de lâcher une personne parce que je ne sais pas dans quelle situation je vais me retrouver après. En même temps, c'est pas honnête. Et je sais pas quoi faire. Ah! Et si je pense savoir quoi faire, mais j'ai pas envie de le faire parce que j'ai l'impression d'être. Ah, je sais pas. Je vais m'arrêter là, sinon je pense que je vais raconter des conneries. Ça risque d'arriver dans les mauvaises oreilles et d'avoir les mauvais effets ou mauvais effets. Et ça m'amène encore une fois à la question, est-ce que je suis une bonne personne? Et c'est quoi être une bonne personne? Je sais pas, je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu! Je m'arrête là, je commence à délirer, à devenir fou. Je vais aller monter cette vidéo, faire à manger parce que je suis rentré, j'ai faim. Et. Désolé si j'avais pas fait de vidéo depuis un moment, c'est juste que je me pose trop de questions et je sais pas quoi faire. Et je vais m'arrêter là. C'était Rodri. Si vous êtes nouveau sur la chaîne. Non, mais. Abonnez-vous, activez la notification. Peace!